Coucou les gens, c'est Nanu, ça va? Ouais, c'est vendredi, donc c'est vendredi. Donc ce soir, théoriquement, nous sommes en vacances. Et ce soir, c'est le 21 juin. Alors, ouais, je vous ai montré tout à l'heure, donc ma première carte que j'ai commencé à faire, d'accord? Donc celle-là, je l'ai appelée le labyrinthe ou le village, ou bon, ça peut être aussi la substance, hein, vous savez. Mais, substance, je vais en faire une autre parce que faut que je sois un peu plus déglingué pour... la substance, mais voilà, donc ça, alors, mais par contre j'ai réussi à faire, enfin j'ai refait double face, voilà, version féminin, mais voilà, c'est un peu plus, ça fait un peu plus tableau, enfin je sais pas comment, voilà, c'est un peu plus artistique on va dire, hein, c'est plus travaillé, je vais essayer de, voilà, je me suis dit, tiens, pourquoi pas, puisqu'il me reste une vingtaine, j'ai pas compté, un peu plus de 20, un peu plus de 20 cartes, pourquoi ne pas refaire un jeu avec des personnages que vous connaissez déjà, on va dire. Par exemple, Double Face, vous le connaissez. Enfin, maintenant, vous la connaissez parce que c'est sa frangine. Voilà, et puis après, la substance, les trois fées, enfin voilà. Donc, je vais voir ça, mais en tous les cas, je ne vais pas laisser 20 cartes comme ça se promener toute seule. Ah ben non, que nenni. Ah non, faut que je m'en serve. Donc voilà, bah écoutez, en tout cas, pour la première carte, j'ai eu des bons avis, donc je suis assez contente. Et c'est ça là qui me fait rire. Ça me fait rire, celle-là. Double face au féminin, je la trouve pas mal, hein, franchement, de près à regarder. Ah, je la trouve bien. Voilà, c'est un premier jet. Allez, on va passer aux énergies de la soirée. Ah oui, je m'éclate là. Hein. C'est apaisant de peindre, de se concentrer, c'est fou, ça fait un bien fou. Alors, les énergies de la soirée. Ah, il y a quelqu'un qui est triste, hein. Je viens de tirer la carte de la tristesse. Une carte que je vais refaire aussi parce que c'est une carte que vous ne connaissez pas. En fait, j'ai plein de cartes du tarot politique dans un petit... il est où? Je ne l'ai pas là? Ah non, il n'est pas là. J'ai plein de cartes que je n'utilise pas spécialement, vous voyez, tous les jours. Ça veut dire j'ai un petit tas où je dis non, aujourd'hui, c'est pas la peine de mettre celle-là, ou voilà. Et oui, il y a beaucoup, beaucoup de cartes hein, dans le tarot politique, beaucoup. C'est ça qui est sympa. Voilà. Allez, on va tirer les cartes pour ce soir. Hop. Le souffle. Oh, merde. Pardon. Oh là. Ah, c'est bizarre, on dirait qu'il y a comment ça s'appelle, une tour qui va encore s'effondrer. Hein. Regardez. Eh. Il y a une tour qui va s'effondrer, c'est ça? Il y a une tour qui va s'effondrer avec le vent. Alors non. Alors, attends. Alors c'est pas une. Enfin, alors, si c'est une tour qui s'effondre, ce sera par le vent, par le souffle. Voilà. Le souffle de quelque chose va faire qu'une tour va s'écrouler. Enfin, une tour, un immeuble, une tour, oui. Une tour, voilà, je ne sais pas comment vous dire, hein, autre chose. Il y a un immeuble qui risque, ou alors un petit bout de l'immeuble d'une tour qui risque de s'écrouler par le vent. Voilà, c'est ce que je ressens tout de suite là maintenant. Incroyable, hein. Bon, bah, écoutez, je vous fais des bisous. Moi, je vais repartir sur mes petites cartes. Et puis, écoutez, si vous les aimez, encouragez-moi parce que moi, je continue. Ah, mais ouais, je continue à faire mes petites cartes. Hein. Mais oui, bon, normal. Allez, bisous. À demain. Non, pas à demain, je suis bête. À bientôt. Ciao.